Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Devenir dans l'inauguration troisième centre semencier que le président de l'IA, son excellence Jovenel Moïse, lui travaille pour le vieux pays. Je dois dire que le président Jovenel Moïse a inauguré le centre semencier dans le nord, le centre semencier de la Timonique, et nous avons dit à nous dans le pays de notre voilà, président Jovenel Moïse, qui accompagné de madame Mou, de ministre agriculture qui l'a, coordonnateur caravane changement qui l'a tout, et président accompagné de ambassadeur de Chine Taïwan, nous connaissons que cette semaine c'est ça, eux-mêmes, ils ont construit Haïti, collaboration Chine-Taïwan. Voilà, femme de demain, président du Bouton. Président Jovenel Moïse, accompagné de Mandemi, accompagné de ministre agriculture, directeur général de l'agriculture, accompagné de ministre PTCA, gagné aussi. Ancien parlementaire qui l'a, gagné parlementaire en fonction qui l'a, puisque président Sénat, lui là avec nous, ambassadeur Kou de la République de Chine Taïwan, qui l'a avec nous tout, pour nous capables d'effectuer, matin samedi 31 octobre, inauguration, cette semaine, ça a qui retrouve nous tombé. Mon pays, montrez-moi comment a souhaité le président Akmanoumi, bienvenue dans la commune de nous. Femme de nous. Qu'on y a montré le mouvement, n'a pas dit président Jovenel Moïse, avec ambassadeur Kou, qui sont deux pays frères qui ont coopéré pour capable de bailler l'agriculture pays d'Haïti, j'arrête. Comment a dit merci pour cette semaine, c'est ça. Femme de nous. Eh bien oui, vous connaissez que le président Jovenel Moïse, lui voulait que les paysans lui retournent entrepreneurs agricoles qu'il tenait. Eh bien pour ça arriver, il faut que les paysans de tout moyen, même tous les outils. Et seulement c'est un gros outil. Eh bien, président, vous êtes capable de connaître tout de suite, nous allons faire le président de nous. Avant que nous rentrions avec Gazette, ambassadeur, faites-nous signe que. Comité d'accueil qui va souhaiter coup de présence sur la bienvenue avec des jeunes de vol. Allez, on avance pour le couple présidentiel. Monsieur et madame, monsieur le président, madame la gouvernante. Il y a une fois pour le président, il y a un jeune de fois pour le président de la République. Un jet de fleurs pour la première dame. S'il vous plaît, avancez. Voilà. Là, je dis que c'est des jeunes filles de la commune de Périer qui eux-mêmes préparé des jets de fleurs pour souhaiter à coupe présidentielle là, président Jovenel Moïse, madame, première dame Martine Moïse, bienvenue dans la commune Périer. Ensuite, ambassadeur. Un jet de fleurs pour l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, l'ambassadeur Kou. Et puis, pour finir, un jet de fleurs pour le ministre Patrick Sévère, ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Un nom de bravo pour jeune Sahel, la commune Périer.
qui souhaite souhaiter à officiel nous bienvenue. Localité Pélier, commune Torbec, merci. Merci, merci Monsieur le Président, à la première dame. Eh bien oui, je ne t'ai dit là, Président, vous voulez que les paysans reprennent la route, qu'ils reviennent, entrepreneurs agricoles, que vous t'ayez, pour ça fait, il faut que des semences, c'est un plus grand instrument. Et une entité, en dedans collectivité territoriale, qui est capable de comprendre le travail, ça, que Président Jovenel Moïse commence dans le pays, depuis 7 février 2017, c'est Kazek. Et c'est Kazek Perrier qui va venir balader. Nous, Kazek, nous. Excellence, Président Jovenel Moïse, Madame la Première Dame, Martine Moïse, les ministres, les honorables sénateurs, les représentants de la coopération taïwanaise, les représentants de la collectivité, les représentants, les directeurs généraux, bonjour. Je dis à c'est un grand plaisir pour nous recevoir la Kainou, deuxième section BO, commune Torbec, Périen. Côté que je dis à, Président Jovenel vient inaugurer centre sémencier ça pour nous. Je remercie le gouvernement taïwanais pour support les débats, gouvernement haïtien. Pour ça arriver possible, je dis là. N'abdi merci spécialement à Président Jovenel Moïse pour bon genre travail l'a fait la PIA, spécialement deuxième section commune Torbec. Président, merci en pile. Président, Moun Béo, Moun Gérard, Moun Ducis, Moun Dubreuil, Dim Dioubouyo, s'il vous plaît. Route là qui commence là, gardez s'il vous plaît son café pour vous pour continuer. Vous avez dit la privée du Breil, je vous dis à l'arrivée Boudet qui va arriver. Président, vous connaissez très bien, mon Torbec remet en pile. Président, faites vous continuer remet. Président, maintenant que vous avez de là qui a gaspillé, plantez-nous. S'il vous plaît, installez des pompes pour vous. Pour agriculteur nous, pour qu'on ait une l'eau pour arroser le jardin. Président, il y a un programme où on mette sous pied, qui c'est le programme tracteur qui tape casé terre pour planter nous. Président, le programme ça était vraiment bon pour planter nous. Je dis à le camper. Président, n'a pas de programme ça pour continuer avec elle, pour planter nous en dans commune. Président, mais nous avons de l'eau là, président, qui c'est Guillou. Côté qu'il y a une difficulté pour tout le monde qui va à l'école, président. Trop tard, le président, avec des jours, les petits nous parlent de l'école, ils veulent l'école à l'État, c'est pas la priorité en pied. Président, grâce à support PAM et support quelques amis qui te donnent aide, moi commence une petite passerelle là-dedans, moi campé avec elle. Je dis à président, l'annon, la présidence, m'a promis un petit document pour garder qui sort café pour nous. Président, n'a pas dit, souple, Kazek, il y a un travail qui est vraiment difficile, il n'y a pas touché pendant 9 mois. Président, on te mette comme l'ambitieux pour vous, vous ne pouvez pas venir là-dedans. Président, n'a dit vos yeux, gardez-nous. Président, comme on dit, tirer cela, c'est pour le peuple allié. Mais président, mon commune Torbec, spécialement, mon deuxième section, BO, après tirer cela, la main au président. Alors, président, nous disons, président, bon travail. Merci. Que bon Dieu béni, que bon Dieu béni, famille. Merci un peu, président. Bon travail. Merci un peu, Kazek Lounou. Kazek Lounou qui dirigeait un document que la promette président sur différents besoins que Kazek Lounou, les voit que mon localité, les où Périen, gagné dans la commune Torbec. La continuer, nous, que cette semence, ça va le faire sous directement ces planteurs.
Donc c'est normal pour nous attendre réaction d'un planteur ou bien réaction d'un agriculteur ou bien d'un agriculteuse qui lui-même va dire nous comment est-ce que cette semence ça va servir. C'est Madame Gerda. Madame Gerda. Madame Gerda qui lui-même c'est un paysan, c'est un monde qui travaille la terre dans la commune Torbeck. Madame Gerda, rapidement, dis-nous comment est-ce que ça se passe ça après chez vous. Son Excellence, Monsieur le Président. Monsieur ambassadeur Haïti-Taïwan, Monsieur Premier ministre Agriculture, Monsieur coordonnateur Haïti-Taïwan, délégué départemental SID, délégué départemental SID là, représentant ministère Agriculture dans SID, staff projet Haïti-Taïwan, directeur BAC, autorité locale, représentant organisation plantaire, population Torbeck, bonjour. Je dis à nous-mêmes, association en pleine Okaï à Torbeck, nous parlons qui mot pour nous utiliser, pour nous féliciter, président Jovenel, pour support libre. Façon ou qu'on planté dans le site à travers projet réponse. Projet ça aller directement quand planté qui n'a nécessité. Et nous recevoir un paquet qui rend nos travail plus bien journée aujourd'hui. C'est avec un pile contentement, n'a dit président, merci. Pour ça, sémencier ça que nous gagnons dans la commune Torbeck là. Grâce à lui, nous sommes capables de jouer bon gens sémences les nous besoin planter. Nous remercions tout pays Taïwan qui mettait avec pays Haïti pour réaliser le projet si là. Nous remercions tout le monde qui mettait main avec nous. Nous sommes vraiment dans la nécessité. Mais, aujourd'hui, nous sommes capables d'utiliser nos semences de qualité pour nous planter dans le jardin. Nous. Et nous croyons, nous prenons plus bon rendement. Parce que nous ne pouvons pas donner calbas. Bon semence égale rendement. Non, non, tout planté. Nous, l'autre fois encore, président, nous avons dit merci. Nous n'avons pas fini pour nous pas profiter de mettre au courant quelle situation n'a fait face. Nous avons un problème avec le prix engrais qui est toujours haut. Tandis que nous prenons le vendre dans Renouyo à prix bas. Deuxièmement, il y a un pile côté nous fait jardin. L'eau a tout près nous, soit à quelques mètres, mais il n'y a pas qu'à arriver dans le jardin. Nous comptons, nous constatons espace nous fait jardin. Nous fin envahi avec construction. C'est tout dans l'espace marécage. Nous avons même rivé bâti caille sous canal. Pas de côté pour de l'eau passer, rivé dans le jardin. Ça permet de nous avoir des difficultés pour le jardin rivé fait. Président, qui sont dit pour prendre ça? Merci. Merci, Gerda. Merci.
projet ça, projet Saint-Sumassien, comment te faire arriver là? Comment projet ça faire arriver construit? Comment projet ça pour alimenter eh bien agriculteur? Comment est-ce que engrais pour arriver, semence pour arriver sur agriculteur? Eh bien, c'est directeur départemental agricole sud là, c'est lui-même qui va parler nous de projet là, qui va montrer nous projet là. C'est au bout Maflin. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, en Haïti, Monsieur le Chef de Mission, Taïwan, en Haïti, Monsieur le Délégué départemental Sud, Messieurs les Vice-Délégués ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des assemblées des sections communales de Tobek et de Kaï, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de producteurs agricoles de la commune de Tobek et de Kaï, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de producteurs au niveau des communes de Kaï et de Tobek, Mesdames et Messieurs les représentants des mairies du département, dis-nous bonjour et bienvenue parmi nous. Nous parmi ces masses au bout, monsieur l'actuel directeur de l'Atlantique de l'Agricole Sud, au ministre de l'Agriculture, et c'est moi-même tout qui a assuré intérimaire la coordination projet réponse qui va nous occasion au matin là pour avec nous la cérémonie d'inauguration ça. En fait, projet réponse c'est un projet que le président dans le passage lit dans la zone qui fait durer dans le pays et dans le souci pour nous augmenter effectivement la production agricole là. Rendre disponible manger dans le pays pour permettre que Haïti diminue l'importation du riz que le fait. Le président a demandé à lancer le projet que nous avons là pour nous recadrer le projet. Parce que dans l'esprit parle que ou pas qu'à augmenter la production nationale sans que ou pas augmenter la question et qualité semence qu'on a produit. C'est ça que fait. À partir de réflexion ça et de demande ça, autorité de mettre tête ensemble, ils monté un dossier que nous relais un projet réponse. Réponse à son projet qu'a exécuté à travers trois départements dans le pays. L'M-dit-toi, en fait, nous dit nord et nord-est, il fait une, il balle non réponse non nord-est. Nous avons l'Artibonite, qui c'est une autre, il balle non réponse Artibonite. Et le sud, qui c'est tout petit, là, que du relais réponse sud. Donc, réponse là, je l'ai dit, projet de renforcement de la production nationale de riz. Il est capable de sous-projet dans le nord, il est sous-projet dans la Tibonite, il est sous-projet dans le sud. Nous-mêmes, gros projet ça, qui c'est projet réponse là, c'est un projet qui a objectif pour lui produire à travers le pays une quantité de semences de qualité qui évalue environ 20 000 tonnes. Nous-mêmes dans le sud, par rapport à ça, nous gagnons comme potentialité. Nous sommes limités à un besoin de 3000 tonnes métriques par année. D'où bien fondé projet réponse. Projet réponse est un projet qui travaille dans le département sud, qui travaille ensemble de producteurs dans du riz. Nous venons en logique de bloc de production côté que pour nous garder si nous sommes capables de permettre de résoudre le problème qui existait dans les rizières de façon. Et 6 000 d'années. Le projet a le financement effectivement de coopération bilatérale qui gagne entre Haïti et la République Taïwan. Il a une hauteur de 8 115 449 $ américains. C'est montant qui est disponible
pour financer aucune seule activité qui est liée à la question de production de semences en deux départements sud. C'est un projet qui va durer de 3 ans. 3 ans, ça, il commence à partir de janvier 2018 et il suppose finir à partir de décembre 2021, excusez-moi. Donc, le projet, ça a un objectif que la poursuivre. Il poursuivre 3 grands objectifs. Premier objectif, là, c'est un grand objectif technique que nous battons nous en un projet là, pour nous arriver à doter plein de cailles et de tombettes en capacité pour produire environ 3000 tonnes de semences de riz en d'un département. Mais nous ne pouvons pas produire dans une année. Et ça fait nous prend 3 ans pour nous produire effectivement 3000 tonnes. Le projet a une série d'objectifs techniques qui définit à travers chaque campagne. Et nous faisons ça dans coordination pour que chaque campagne qui dure 6 mois en un département, campagne agricole, pour dire lui-même, nous définit des objectifs techniques pour mettre que nous atteignons l'objectif global là qui c'est production ou bien doter pleinement nos capacités de production de 3000 tonnes de semences de riz chaque année. Deuxième objectif que le projet ça va poursuivre, c'est rendre disponible et accessible la semence de riz de qualité aux agriculteurs dans le département du Sud. Et troisième objectif là, c'est renforcer la capacité association de producteurs qui a pratiqué la question du riz en un département. Effectivement, pour atteindre ensemble d'objectifs là, que nous fixons dans le projet, bon ensemble d'activités que nous déployons pour permettre que effectivement nous atteignions la capacité qui se produit environ 3000 tonnes de semences pour plein de cailles. L'activité ça a concerné le ciblage des agriculteurs ou bien l'association d'agriculteurs qui pour nous faire effectivement production de semences. Tout le monde n'est pas dans la production de semences. Donc nous-mêmes, on a projeté de battre nos missions pour nous faire un ciblage à travers ensemble de monde qui a planté du riz dans le département pour nous garder effectivement comment nous avons, à travers une série de blocs de production, comment nous avons formé un ensemble de producteurs pour permettre effectivement nous arriver à tel objectif ça qui s'est produit 3000 tonnes de semences en dans le département. Nous faisons un accompagnement des producteurs de semences de riz, l'aide d'accompagnement. Nous avons un accompagnement technique. Nous avons un accompagnement matériel et puis nous faisons renforcement de capacité dans le niveau organisation qui va gagner pour prendre les questions de production du riz en dans le département. Nous octroyons crédit à l'ensemble de l'organisation que nous ciblons, nous n'avons pas des gros ciblages que vous faites. Nous produisons semences à travers les blocs de production, parce que nous-mêmes, nous avons une logique de blocs de production. Nous ne pas quitter, nous ne planter, j'ai de qu'on planter encore. Donc, la base de paquet technique qui permet que, effectivement, nous ne pas rater l'occasion hein, qui s'est arrivé produit environ 3000 tonnes de semences de riz en un département sud. Nous gagnons, nous encourager production semences à eux sur un dans bloc, effectivement, par rapport à volume production que nous constatons que nous jouons dans le projet A, l'arranger le tout pour nous et acheter là-dedans, dans les planteurs. Projet A, ou pas qu'à faire du 800 de l'eau, c'est ça que fait. Projet ça, pour nous mettre en place, nous faire tourner autour de 4 composantes. Nous avons une composante qui c'est la composante de la mécanisation, côté que nous avons un staff qui est chargé de section ça, qui prend toute décision en ce qui a trait à machinerie agricole et travaux de préparation de sol et réparation machine, réparation tracteur. Nous avons une section en de projet à, qui occupe de ça seulement. Pour nous faire ça tout, on ne peut pas faire manger sans de l'eau. Nous avons un aspect irrigation, hein, il est important pour nous. Ça fait, deuxième composante que nous gagnons dans le projet, c'est un aspect que nous relais, un composante que nous relais, ingénierie sociale, ingénierie. En deux ingénierie, ça, nous gagnons construction qui a fait dans le projet, nous gagnons des décisions qui ont pris pour soit réparer ou bien construire le canal, nous faisons tout ça dans le projet. Et, plus gros problème qui nous gagnons dans la question d'utiliser de l'eau sous périmètre idéal, c'est la gestion sociale. Donc nous faisons là de renforcement autour de l'ensemble de organisations usagées qui utilisent de l'eau dans chaque petit périmètre ou bien sur eux, nous arranger autour d'un modèle de gestion pour
que effectivement espace que y a gagné pour mettre en valeur effectivement pour faire ça tout nous former 120 agriculteurs n'a formé 165 agriculteurs techniques de production agricole et n'a encadré 20 associations à travers différents blocs de production pour permettre que effectivement nous gagnions des CMS qui pourra construire. C'est des outils que nous-mêmes mettons dans nos paysans pour assurer les que projet là. Donc, CMSO, c'est des centres de multiservices. Projet a un centre de service qu'il bail. Mais projet a pour finir, dis-nous, à partir de décembre 2021. Donc, ok. Donc, CMSO, il y a pour faire ça. C'est faire relais et service que le projet a été bail, c'est quoi le faire pendant toute durée que le projet a là. Parce que c'est l'âme d'abriver. Donc, je dis merci le fait que nous prêtions nous pour nous tendre et que, effectivement, le ministre de l'Agriculture, la présidence, n'a pas travaillé pour nous. Nous souhaitons nous, pour nous, oui, pour nous, effectivement, et mettre ensemble avec nous pour nous voir tout un chemin de remerciement pour l'initiative à l'éprouvant pour mettre qu'effectivement nous doter pleinement de nos capacités comme ça. Merci. Merci agronome, ça c'était projet A qui lui-même son projet réponse. Qu'on y a là, cette semence à lui-même, sur le plan technique, comment ça va le marcher, c'est directeur Saint-Plan, directeur cette semence A, en quelques minutes, il va dire nous comment ça va marcher. C'est monsieur Joseph Jean Bones. En quelques minutes, il va dire nous comment cette semence A va marcher pour produire semence pour agriculteurs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Monsieur le Président du Sénat, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, Madame, Monsieur les membres de la collectivité, sans oublier la délégation, le délégué du Sud, le vice-délégué et tout planteur qui est avec nous là, tout agronome qui a travaillé dans le projet Taïwan, projet Réponse, tout staff taïwanais qui est avec nous là, tout paysan, tout planteur, bonjour. Je dis à son plaisir pour moi, avec nous, et pour nous gagner dans la commune, dans la section, deuxième section Tobek, l'équipe gouvernementale, le président de la République, sa femme, dans un moment spécial, ça qui c'est l'inauguration, centre semencier, ça dans Tobek. Donc, centre semencier, ça sont gros outils liés. Même si on mettait comme dans bandoule qui devant eux, sont gros outils pour développement secteur les écoles là en dans département. Du riz c'est un aliment que haïtien plus manger. Et consommation nationale nous-mêmes est supérieure à 700 000 tonnes du riz. Pendant que ça n'a produit, le moins que autour de 25%. Donc, plus fort du riz que nous avons consommé, c'est du riz que nous avons importé, nous avons acheté dans notre pays. Alors que le pays, par nous avons un potentiel pour nous produire du riz pour une belle population à manger, par rapport au type de climat que nous avons, par rapport au type de sol que nous avons. Mais il y a un gros handicap qui gagne dans le secteur ça pour avancer, c'est le problème de semence. Et c'est ça que fait, nous profiter pour une prise qui dotait le pays de 300 semenciers, et particulièrement dans le sud, dans le côté de là, nous gagnons un centre semencier qui pas seulement travaille dans du riz. Étant donné que le matériel ça est plus approprié à traitement de semences de riz, mais sans ça a des capacités tout, non seulement pour l'aider dans la production du riz, mais capable tout dans la production de l'autre semence
notre culture tant qu'au maïs, tant qu'au pois. Donc, sans ça, il pourrait permettre l'agriculture là, en dans le département sud là, il prend un autre niveau, il prend un autre élan. Côté nous pourrions produire semences de qualité, et à partir de semences, production nous pourrions augmenter, parce que il y a un premier handicap production agricole là dans le pays, c'est le problème semences. Parce que nous-mêmes en Haïti, en pile fois, planter nous, il y a planté graines au lieu de semences. Et depuis ces graines ont planté, donc le rendement à la production a diminué. L'autre côté, l'autre pays, si par exemple on dit, il y a des pays comme Thaïlande, comme Nam, la Grande Chine, il a produit autour de 12 tonnes d'huile sur un hectare. Alors qu'en Haïti, nous avons produit 2 à 3 tonnes à l'hectare pendant que nous avons le climat. Donc, le problème semence là, c'est un problème sérieux. Et à partir de cette semence, le problème ça a été abordé et le problème ça a été résolu. Nous allons mettre sous pied un réseau de producteurs de semences dans le département qui va spécialiser dans la production de semences pré-base, semences de base, semences de qualité ou semences certifiées pour nous transmettre ce et impact là, il va avoir un impact à moi, à court, à moyen et à long terme. À court terme, on va permettre que y ait plus de cob qui rentre et ça va avoir un impact. Le fait que le planteur a fait plus de cob, la situation du pays va changer, il va avoir moins de délinquance, moins de crime, parce qu'il y a pile de fait tout. Parfois, c'est un problème économique, problème l'argent, problème grand goût, qui fait qu'il y a pile de bail qui passe dans la société. Sur ce, je dis merci. Parce que nous t'es bon, écoute nous. M'attendez nous ensemble avec nous pour nous bailler un applaudissement à président de la République là et à co-présidentiel là qui fait des passants venir inaugurer notre bec Santo Messia et avec toute équipe gouvernementale là, avec l'ambassadeur de Taïwan, toute l'équipe de Taïwan, les Taïwanais qui sont là. Donc m'attendez nous ensemble avec nous pour nous applaudir aussi de gratitude, de remerciement. Merci beaucoup. Merci en pile. Il y a des amis qui vous offrent un plat à manger, ça vous dépanne. Mais il y en a d'autres qui vous montrent comment faire pour avoir ce plat. Eh bien, les amis qui montrent au péché, c'est lui-même qui permet qu'on retire tête ou dans la misère. Et la République de Chine d'Aïwan, c'est ça l'a fait avec le pays d'Haïti. L'a montré nos péchés, l'a montré la coopération avec nous pour mettre ça sur la scène. Après, vous, l'ambassadeur Kou, l'amour de circonstances. Monsieur l'ambassadeur, ici. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Madame la Première Dame. Excellence, Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Mesdames et Messieurs, en votre qualité et vos titres. Chers amis de la presse, distingués amis des, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous afin de remettre à l'État haïtien le centre de conditionnement de semences de riz dans la région du Sud qui est le résultat d'un partenariat actif solidaire entre Taïwan et Haïti. En vue d'appuyer la vision du développement agricole national de son excellence, Monsieur le Président de la République, le projet de renforcement de la production de semences de riz a été conçu, élaboré et mise à exécution par le gouvernement de la République de Chine, Taïwan et de la République Haïti dans le cadre de la coopération bilatérale. L'inauguration de ce centre moderne de conditionnement de semences de riz dans la région du Sud, qui rejoint deux autres centres dans l'Artibonie et dans la région nord et nord-est, représente la dernière pièce du Basel pour accomplir ce grand projet de la modernisation de l'agriculture auquel
le président Moïse lui accorde la plus grande importance. Je suis convaincu qu'avec la réalisation de ce centre bien équipé d'un système de séchage hautement doté d'équipements automatiques pour le séchage de semences à température contrôlée par micro-ordinateur, nous serons en mesure de fournir des semences de riz de haute qualité afin de répondre aux besoins des agriculteurs et de la population. Monsieur le Président de la République, je voudrais, par courte déminée, vous renouveler l'amitié fraternelle de la République de Chine Taïwan et de la présidente Tsai et vous exprimer au nom du gouvernement taïwanais toute notre satisfaction de pouvoir contribuer à soutenir Haïti sur sa voie du développement national. Je vous remercie et vous souhaite une récolte abondante. Vive la coopération haïtiano-taïwanaise. Merci en pile. Merci monsieur l'ambassadeur. Nous connaissons une vision président en matière d'agriculture. C'est permettre que j'en ai dit au début que entrepreneurs viennent planter au des entrepreneurs agricoles. Mais pour que vision ça soit capable d'appliquer, c'est le ministère agriculture qui a une responsabilité ça. Et là, pas ça nous est là, dans cette semaine-ci, le ministère qui a gagné pour être capable de voir les yeux sur cette semence et assurer que ce semence livré vers l'intérieur, c'est le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre Patrick Joseph, Patrick Sévère, pardon. Permettez-moi de souhaiter au président de la République, son excellence Jovenel Moïse, à la délégation qui l'accompagne, ainsi qu'à l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, la plus cordiale bienvenue à la cérémonie d'inauguration du centre de conditionnement de semences de Tobek. Monsieur le Président de la République, Madame du Président de la République, Monsieur le Secrétaire, Honorable Sénateur de la République, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, Monsieur le Délégué départemental, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Mesdames, Messieurs, directeurs et cadres du ministère de l'Agriculture, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations paysannes, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un sentiment de satisfaction et de fierté que le ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural ajoute au nom de ses infrastructures, le centre semencier de Tobek. Réalisé dans le cadre de la coopération avec la République de Chine Taïwan, la construction de cette œuvre s'inscrit dans la perspective d'améliorer l'accès des producteurs aux semences de qualité, condition sine qua non pour accroître de manière durable la productivité des terres rizicoles du département du Sud. Mesdames et messieurs, le président de la République a fait de l'augmentation de la production nationale de riz le leitmotiv des actions de son administration en vue d'améliorer la sécurité alimentaire de la population au cours de son quinquennat. Le gouvernement taïwanais, par le biais de la mission technique de coopération, a accepté de financer un projet pour renforcer la production rizicole sur les trois grandes zones de rizicole du pays, à savoir la vallée de la Thibonite, les plaines du Nord et du Nord-Est. Lancé depuis janvier 2019, le projet Réponse a pour objectif la production globale annuelle de 20 000 tonnes de semences de riz de qualité. Au niveau de la plaine des Cailles, le projet devra atteindre une production annuelle de 3 000 tonnes de semences de riz. Monsieur l'ambassadeur, le ministère de l'Agriculture adresse ses vifs remerciements au gouvernement de la Chine-Taïwan qui a financé la construction de cet ouvrage d'envergure qui desservira entre autres les producteurs de riz, mais aussi ceux du maïs et du haricot. Soyez rassurés, monsieur l'ambassadeur, que tous les dispositifs seront mis en place
afin que ces centres modernes soient exploités de manière technique, économique et durable. Des investissements destinés à la valorisation de ces trois centres sont insérés dans le budget 2020-2021. Mesdames, Messieurs, je profite de cette tribune pour exhorter les producteurs, les associés de producteurs présents à cette cérémonie à coopérer avec le DDA Sud à travers le BAC de Tobec, le Bureau Agricole Communal de Tobec, afin de valoriser de façon optimale ce centre qui est un bien collectif, un patrimoine, un outil économique destiné à améliorer la production agricole du département. Ce n'est pas nous lié. C'est nous qui pouvons veiller sur lui. Mes amis, je dis à présence dans la coupe rien pour l'inauguration de centre Semence Tobec là, veut dire un pile bagaille pour moi comme ministre, comme agronome et puis comme petite tête dans le sud. Je profite de l'occasion ça pour me faire tout planter, tout citoyen qui vivent dans le plein. Dans terre sec comme terre usée, sans ça, c'est un outil pour nous relancer l'agriculture dans le département. Avec Semence, nous allons accompagner le planter. Nous avons produit bon genre semence, nous respecter bon genre technique, parce que semence qualité, c'est une trois bagailles qui est bien important pour produire plus manger. Dès l'autre, c'est de l'eau avec l'argent. Et nous connaissons, dernièrement, le président a inauguré, a lancé la Banque nationale de développement agricole, la Banque nationale, côté depuis le campagne agricole, la banque a sous pied pour l'accompagner planter. Et nous connaissons tout, combien il faut qu'on fait pour nous prendre l'eau en bataille. Côté que le soleil a tué plante, je vous dis, pour planter ça, pour bloquer en bataille, non pas pour ouvrir en bataille, mais pour utiliser pour augmenter la production nationale. Je vais profiter de micro ça pour lancer un message à tout planteur, toute communauté Perrien, Bois-Landry, Maya, Béo, Cafou Méridien, Biré, pour protéger. Pour protéger, respecter sentiment ça, à tout équipement qu'il a dans, c'est parce que le président a un gros rêve pour agriculture et développement de zone ça, qui fait lui choisir, mettre aucun chien de sentiment dans la localité payenne. Je finis pour demander au directeur Santlan pour lui remettre avant 15 novembre un plan pour faire Santlan fonctionner très bien. Merci beaucoup. Merci Monsieur le ministre, nous rappelons que vous allez suivre l'inauguration centre semencier au Nord-Est et le centre semencier dans Antibonite. Et je vous le dis, le président Jovenel Moïse vient inaugurer le troisième centre semencier qui va payer. Nous ne devons pas payer. Qui est-ce qui va nous centre semencier ça? Femme de nous, qui est-ce qui va nous centre semencier ça? Femme de nous? Femme de nous? Femme de nous? Et mais qui est-ce qui veut un bel jardin? Qui est-ce qui veut un bel jardin? Femme de nous, micro, femme de nous, vous pas de nous. Amen. C'est mon infini, président, madame Coupé Hugon. N'appelez pas président Jovenel. Femme de nous, femme de nous, femme de nous, femme de nous, femme de nous. Vous connaissez déjà objectif président. Mettez des hommes en hélicoptère dans son jeu. Mais qu'ils ont exactement mais l'hélicoptère, mettez ma terre, vous prenez ma machine, vous descendez en vanne. Du bois, c'est ça. L'homme est du bois. Vous clavez ma parole en particulier. On dit. Si par mon côté pour faire l'hélicoptère, on va prendre la campagne. Mais je vous dis bien faire une fois. Nous te prenons. Presque deux heures pour nous faire la fois, mon combat. Nous connaissons pile les revendications qu'on a fait. Sous affaire, restez à la salle du coup de feu. Mais quand vous avez constaté. Mais je dis à mes villes inaugurer troisième centre semencier pays. Peuple là, centre semencier, c'est gros français, nous parlons de bon. Et je vais vous expliquer pour nous comprendre bien. L'MDB a fait stratégie par avant,
arrivé dans la Tibonite, moi j'ai un planté dans la Tibonite. Tu as gagné 19 variétés sur mon cul. Ça veut dire, mais on peut te dire, je ne sais pas comment je vais dire parce que j'ai 19 variétés durées pour planter. Et là, moi, de combien de tonnes de semences qui te fait chaque année, au dimanche, c'était 2000 tonnes. À ce moment-là, on était bien pour nous partir pour nous parler de l'homme livré. J'ai rencontré le président Farouk, le président Tsaï, pour nous profiter de saluer. Je demande pour nous battre un gros bravo pour nous tous. Parce qu'il a accepté de changer de coopération avec nous. L'homme de Dieu, président, à partir d'aujourd'hui, c'est ça qu'il a besoin de nous. Et bien à ce moment-là, on aime. Comme que le peuple taïwanais a décidé de faire des Haïtiens, c'est dirigeant haïtien Mamadou qui, Jean, nous voulons comme ça dépenser ce type de projet. Il était d'accord avec moi, il était avec des projets, 300 semences, non projet pour être construit sous 3 ans. La compagnie qui a construit cette salle, c'est OECC, qui veut ouvrir le palais. N'était pas là avec eux pour nous dire 300 euros pour le coûter 28 millions de dollars. Comment on a fait pour nous travailler pour ici en chance ça, pour nous faire financement pour eux, parce que, pas oublier, qui décision nous était bon, comme la Taïwan mettait la disposition nous, nous tout dire. Au lieu pour l'agence à venir en Haïti pour nos problèmes, dans l'étude pour l'agent talent, fait philosophie, pour l'agent fait licence, pour faire maîtrise dans le combat avec le doctorat, je me dis, qui te problème dans la classe primaire côté lien, on nous voit si nous sommes capables de faire l'entreprise taïwanaise même, faire travail. Et c'est pour ça que l'agence a pas été trop fort, on nous a l'agent fait un l'étude en Haïti, on a fait projet. Et les combats font comme ça, ça veut dire tout l'argent plus fort, c'est toujours la diminue, la diminue, la diminue. Et puis là, dans le fait, non, l'argent est gros sur ça, et puis l'argent fait un petit projet qui est gros sur ça. Ça veut dire c'est pour ça, décision que nous devons, président Tsai est d'accord avec nous, côté profil taïwanaise, qui c'est OECC, qui était d'accord, le même pour construire 300 semences. OECC est d'accord, nous cherchons financement au départ, combien de temps nous pendant 3 ans. Ça veut dire chaque année, vous êtes dans le monde, 7 semences, tout construit au seul coup. C'est pour nous dire, 300 semences construit dans environ 12 à 18 mois. Le 16 janvier 2020, nous avons inauguré centre semencier dans Nord-Est. Centre semencier dans Nord-Est, Jean, avec le nouveau directeur de la ville de la Zodil, nous avons produit 5 000 tonnes de semences par année. Centre semencier dans Vallée Latibonite, le plus gros, nous avons produit 12 000 tonnes de semences par année. Et cette semence, c'est ça, nous avons produit 3 000 tonnes de semences par année. Ça veut dire qui ça? On vous dit addition. 12 000 tonnes de la Tibonite, 5 000 tonnes de la Nord-Est fait 17, 3 000 en Béo, ça fait 20 000 tonnes de semences. Et qui ça me dit de valeur? L'homme de commencer en 2017 avec stratégie gouvernement, pays a produit 2000 tonnes. Moi, je dis à 31 octobre 2020, nous sortis de 2000 tonnes à 20 000 tonnes. Nous multiplions la production sur notre pays à 10. Nous connaissons
j'ai des projets à eux. Mon papa, ouais, facile. Là, pourtant, pour la population, il veut comprendre l'impact positif du projet. Mais nous-mêmes, nous avons eu quoi? Jean, présentateur, monsieur Daniel, président, se dit, c'est là où nous montrons le péché, c'est dans ça que nous faisons un bon dégoût, mais ce n'est pas là où nous passons chaque jour. Nous-mêmes, depuis que nous sommes président, c'est ça que nous décidons de faire, c'est faire un projet durable, projet qui peut aller au-delà de la vie, bam, au-delà de la génération, bam. Cette semaine, c'est ça. Il parle durer plusieurs dizaines d'années. Pour tout qui l'a, peut-être qu'un nouveau grand monde, c'est ça, pour le plan. Même j'ai en cours, construction barrage irrigation marron dans le nord-est. Construction barrage la famille dans le nord. Tout système d'irrigation solaire qu'on a installé à travers tout le pays. CD, infrastructure a duré longtemps. Et nous parlons de retomber, ce n'est pas demain matin. Nous parlons de retomber, c'est peut-être le président qui a dit après nous. C'est eux-mêmes qui vont jouer de retomber le projet. Mais le peuple là, à partir de Kounia, nous sommes nous dans la Tibonite, nous sommes dans pour nous préciser, nous sommes dans le Maro, nous sommes en pleine. Nous sommes là, nous sommes en Suisse, nous sommes nous qui nous plaignons Abraham, nous sommes là, les volatilités, nous qui nous plaignons Zoro, nous qui nous plaignons Tobet, Capo du Jury. Je dis là, nous parlons de capacité pour nous produire bon gens semences du Jury. Semences qui vous permettent nous capables de faire bon qualité du Jury, augmenter la capacité de production. Nous. Parce que Jean, à quoi nous nous disons d'ailleurs, il y a des pays qui ont un climat qui est bon pour nous, qui ont fait 10-12 tonnes d'huile par hectare, nous nous disons qu'on a fait 2 tonnes ou 3 tonnes. C'est parce que conditions, ça veut dire ça, le paquet technique, là, n'est pas respecté. Il y a là dans la qualité de sommation, irrigation, drainage, fertilisant. Technicien, crédit agricole, c'est pour ça que je dis, hein? Paysans, frères, sommes les agriculteurs, bataille qui se fait dans le pays, nous qui brûlons sur nous tous. Une bataille, ça, le résultat aujourd'hui, à mon gagnant, c'est vrai. En plus, côté dans le pays, a commencé à mourir longtemps. En plus, nous avons parlé de Bagaout. Nous avons pris le côté de l'Union. Longtemps, un pile monde qui a dit que tout le bagage dans le pays a monté 17 côtés à gagner la éthique, j'ai monté 200. C'est bon miracle, c'est bon action fait, c'est bon réforme qui fait, qui fait gagner des mondes ici, qui comprennent que j'ai monté pour le clan, monté mille, la galopée le seul. Mais pour voir nous donner un, nous devons faire un petit peu de temps, faire un petit peu de temps. Parce que deux groupes là, ils font mal, deux peuples là, ils ne sont pas capables encore. Je dis à demander un repos, demander, nous-mêmes qui nous demandons, nous devons aller là, mettre un toc sur le monde. Ça veut dire qu'on doit mettre sur le monde, il fait mal. Deux peuples là font mal, nous qui connaissons. Cap fait spéculation dans le pays, cap fait droit de monde supérieur dans le pays. Oligarque corrompu, vous venez de Haïti, ce pays, paille. Pour contre, je dis à vous, nous devons être président de l'Union. Même si vous avez un peu de boulot, même si vous avez un peu de gazé, mais grâce à Dieu, nous avons un peu de boulot, nous avons un peu. Nous là, parce que nous ne savons pas comment nous faisons mentir sur le monde, nous ne savons pas comment nous persécutons le monde, nous ne savons pas comment nous raillons le monde, nous ne savons pas comment nous aimons le monde,
Nous comprenons le monde parler la vérité sur l'autre monde. Nous comprenons le monde aider l'autre monde à vivre ensemble. Nous comprenons le monde aider l'autre monde à se prendre. Ça veut dire aujourd'hui, le pays ça, que nous-mêmes avons gardé, nous avons tombé dans le jour, c'est aujourd'hui pour montrer preuve là. Parce que nos politiques, parmi nous, c'est preuve d'amour. Le peuple a demandé l'amour aujourd'hui. Je ne peux pas demander le monde, demander pour nous, tout le monde, si tu as quel que soit l'idéologie politique, quel que soit côté sorti, quel que soit un groupe qu'on a appartenu, nous sommes arrivés pour nous tous mettre ensemble. Pour s'arriver à la route, ça, route que nous avons décidé de construire pour sortir de ta foule de Dieu pour arriver du bois là. Pour ne pas arriver encore. Parce que route, ça va peut-être finir longtemps. Pour qui ça ne va pas finir? C'est parce que il y avait besoin. Même route, ça nous a une belle là comme ça. Route, ça, même des voies contrôlées pour nous barrer 4-10 ou 8. Nous sommes arrivés sur presque 127. Nous disons maintenant, on va même besoin de continuer à nous. Ça veut dire pas de moyens. Les techniciens ont été continués de travail. Les techniciens de travail public ont été courus. Parce que toute équipe n'a rien à brûler. Là, je dis à un peuple qui m'a dit pour la qualité de la vie améliorée, qui m'a dit pour sortir de la misère, c'est route ça qu'on a montré. Ce n'est pas mon temps. Route qu'on devait montrer, on devait montrer la route pendant la pousse de la route là, pour nous dire, les techniciens ont brûlé. Je vais manger pour manger, je vais écouter pour dormir, pour encourager, pour être à travail. Mais ce n'est pas du fait que nous devons mettre sur le plan. Système crasé, brisé, système pesé, soucié, ça. Que je ne jamais suspendre mon sel. Chaque temps, mes chances, j'ai une occasion pour me balader. Et nous disons que le système, ça, c'est pas de nous faire mon sel seulement. Je participe à craser tout parce que le système ça va craser. Nous ne pouvons pas quitter le système ça craquer encore. Femme gourmet pour nous construire l'État serviteur, l'État pesé sous ses âmes, nous t'appliquons. Femme changer pour ta vie servir le peuple là. Je nous ai belle action sur la peuple. Je nous ai aujourd'hui, au niveau d'Abec, cette semence a construit. Pour produire semences pour paysans, dame ce palais, on entendait toutes sortes. En vrai qui coûtait cher. Mais nous avons dit que nous avons donné un programme côté en vrai à baisser. C'est mon groupe, c'est ça? On met le groupe. Nous devons battre, nous avons le groupe là tout parce que c'est maïs dans le pays. Tant pour nous, songez le groupe. Nous devons battre le groupe pour dire, songez le programme de groupe là. Parce que eux-mêmes, ces planteurs, ils gardent tout le monde. Nous avons bien, bien cher aujourd'hui, nous comme ça. Mais des subventions que l'État mettait pour que le prix en grain baisse. Mais ça m'a demandé. Je me suis dit tout à l'heure, pour avoir un projet qui fait gros classe là, même si l'État a pris une décision pour vendre le marché, il ne faut pas avoir bon côté pour qu'on l'ait et puis il ne va pas descendre. Tant pis. Pas quitter ce ministre. C'est le premier ministre, c'est le président qui nous venons avec un ciseau pour dire que vous pouvez couper contre la pouvoir descendre en bas. Nous-mêmes qui sommes responsables, depuis le niveau de nous-mêmes, faisons pour le niveau en bas. C'est ça où la tête là. Pour le niveau de paysans, sans voyous, nous qui sommes considérés comme gros orteils, nous qui sommes considérés comme tête tabac, nous qui sommes voyous. Qui par contre lire, monde qui levait depuis matin, qui met ton patate, mon Dieu là, t'as le jardin, à combattre le bout, et puis t'as tourné jusqu'à soi, nous savons, c'est ici où nous vivons avec nous. Pas oublier, c'est eux qui veulent nous l'école, qui veulent nous raconter nous aujourd'hui. C'est eux pour nous, c'est eux papa nous. Pas oublier ça. Quel que soit quand on vit aujourd'hui, l'homme veut quand on vit à songer quand on sortit. Parce que celui qui nous blesse au passé est appelé à nous vivre. Il faut nous songer pour nous sortir.
pour nous construire le futur du pays a besoin. Mettons des affaires de l'eau qui parlait. Kazek la parlé. Mettons-les. Mais nous disons, le système de pompage solaire nous est installé à travers tout le pays. Il y a trois départements qui commencent à jouer une pile satisfaction. Vous voulez parler du département à l'ouest, à travers plein de gens, département Latinoamérique, à travers plein de naïves et en sous. Département nord et nord-est, département nord-ouest. Mais il y a des pompes qui vont l'installer tout. Le département Nip, nous avons plein de Bakouma, le département Sud, nous avons plein de Baké, Kounia, Mounbe au palais, Mounbe au palais, Mounbe au palais, Mounis, Pabouya, pour parler avec le ministre de l'Environnement, pour rapprocher le programme d'Aïmane, parce que nous avons dit que 10 millions de dollars pour travailler avec Aïmane, pour monter un programme pour installer environ 100 systèmes d'irrigation solaire. Que nous allons mettre en plus que ça nous installe déjà. Parce que pays a chargé soleil. L'air du soleil, c'est sécheresse qui est. Et pourtant, nous avons converti ce soleil-là en de l'eau pour nous. Nous n'avons pas le balai. Mais nous-mêmes, dans notre travail, nous voulons que dans le monde qui compte à faire opinion dans le pays, il faut comprendre ce qu'on dit et il faut comprendre ce qu'on fait tout. Parce que je dis, ce n'est pas moi qui dis, c'est le président qui dit que le soleil est venu. Ça me dit, faut que nous pensions, on avait dit, pour nous comprendre ce qu'on dit parce que le peuple a rien à dire. Le peuple a compris bien ce qu'on parle. Là, il dit que nous avons fait, un monde qui ne comprend pas, le peuple a se doit regarder. Mais pas dit qu'on ne comprend pas nous-mêmes sur les réseaux sociaux parce que le peuple a compris bien. Il comprend. Soleil qui dépend grillé jardin, je dis à ce soleil-là pas brousé jardin. C'est pour ça que nous sommes avec eux. Nous sommes plein de bec. Peut-être que nous sommes qui va pas descendre. Travail va le faire pour nous. Ce soleil-là, tout est beau, tout est bec. Nous connaissons les ministres, à travers le directeur du département de la loi du travail, pour que besoin d'identification soit complètement pour qui zone. Côté qui mérite le système solaire pour nous capables d'installer le système d'irrigation solaire pour nous trouver qu'à joindre bon gens de l'eau, même si ça commence à faire dans tout le pays, pour nous déjà bien. Je ne vais pas finir sans me demander, Frem Som, qui est une révolution politique, qui est un département sud, pour commencer à comprendre que le pays a. Mérite une tête ensemble. Il mérite un combat. Il mérite mettre ensemble. C'est pas pour son truc, camper. Très en camper la tombe. Très vivre ensemble, notre solidarité. Très pardon. La tombe pour nous déraper. Parce que nous sommes haïtiens. Nous toutes. Nous sommes petits insectes pour nous. Qui t'ont joué de mettre tête ensemble pour te faire payer l'indépendance. Je dis. Mais pas pour le moment arriver nous-mêmes pour nous faire chier une solidarité ça, pour nous retirer le pays à nos alliés. Mais même, nous tirons sur panne avec l'équipe là. Ça nous a fait, on a continué à faire. Nous avons fait mettre courant, mettre lignes dans le pays, nous avons aidé tout le monde à vivre 147 communes dans le pays, nous avons vivre 562 sections communales, nous avons vivre sur nous, quel que soit le côté de la vie. Le tableau ne va pas arriver un seul coup, parce que bagarre nous devons nous dire. On a pris au fur et à mesure pour voir que nous devons mieux, nous devons nous servir nous. Et c'est pour ça que je travaille pour nous mettre courant dans tout le pays. Et je mette parce que c'est ça, je ne vais pas dire que nous devons prendre un engagement avec nous. Nous devons prendre un engagement pour électrifier le pays. Et engagement ça, mon Dieu, avec nous, Adam, ça me barre avec nous. Tout le monde. Obligé avec nous pour nous rectifier le pays à 20 ans sur 20 ans. Parce que courant, c'est base de développement. Un monde qui veut réfléchir au développement, c'est courant qui voulait avant. Par exemple, cette semaine, c'est ça, pour m'expliquer, nous, Jean l'a fonctionné, il est parti là-bas, qui est électrique quand même, qui est obligé de nous générer en crise. On dit obligé de courant. Mais
gagner l'autre partie, c'est Abiomas, ça veut dire pas Julia qui va faire ce soir la marché, c'est énergie. Ça veut dire énergie tout côté au passé là. C'est pour nous dire que les affaires pour ce n'est pas affaire président de l'Union, ce n'est pas affaire partisan, ce n'est pas partisan président, ce n'est pas affaire gouvernement, c'est affaire tout le monde, c'est pour tout le monde mettre main pour électrifier le pays 24 sur 24, parce que c'est pour rêver, c'est pour une réalité. Nous disons, ma fille nous est là, parce que c'est notre bon pouvoir, nous te disons ça, mal vous descendre dans le Dubaï. Parce que le programme était fait pour nous là, mais nous donner. C'est pour ça qu'on a la haine toujours, ça c'est pour nous parler. Maintenant, de l'équipe, on descend la source, c'est ça? Je blague. On va regarder sur ça, on va venir pour nous aller au plateau parce que nous connaissons le système qui a été mis en place sur ce pays avec 200 ans. Qui fait que route ça n'a pas qu'à continuer, mais comme nous ne pouvons pas regarder. Nous avons une décision pour nous voter par la cour parce que nous devons voter tout. Malaï, vous n'avez pas de partir à nous. Nous n'avons pas de partir à nous. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.